All reports look good from here in the blockhouse at this time. All aspects of the mission go, T-minus 30 seconds and counting. Apollo 8, coming up on 20 seconds, and you're looking very good. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have Le 21 décembre 1968, les astronautes James Lovell, William Enders et Frank Borman embarquèrent sur la première mission habitée en orbite autour de la Lune. Trois jours et 384 000 km plus tard, l'équipage d'Apollo 8 s'approchait de sa destination. Et le 24 décembre, la veille de Noël, la sonde a commencé la dernière de ses 10 orbites autour de la Lune. Tout en ayant une vue qui domine la surface lunaire, Borman, Lovell et Enders ont transmis un message pour ce qui fut alors le plus important auditoire de télévision en direct de l'histoire. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Peu de temps après leur retour sur Terre, le commandant de mission, Frank Borman, a été interrogé sur les raisons qui ont poussé les astronautes à lire le passage de la Genèse. Sa réponse a fait écho à sa foi personnelle. Nous voulions transmettre notre sentiment de proximité avec le Créateur de toutes choses. Ce n'était pas la première fois que l'univers poussait des scientifiques et des explorateurs à se rapprocher de Dieu. En effet, beaucoup de fondateurs de l'astronomie moderne, y compris Nicolaus Copernicus, Galilée et Sir Isaac Newton, ont cherché à révéler et honorer leur créateur à travers certaines des découvertes les plus importantes jamais faites. Cette motivation a également inspiré Johannes Kepler, le mathématicien allemand qui a d'abord calculé les lois du mouvement planétaire. Au début du XVIIe siècle, il écrivit ce qui suit. La science est le processus qui consiste à réfléchir sur les pensées de Dieu après lui. Et mon plus grand désir est que je puisse percevoir le Dieu que je trouve partout dans le monde extérieur. J'ai eu une fois l'intention de devenir théologien. Mais maintenant, je vois à quel point Dieu est, par mes efforts, également glorifié en astronomie. Car le ciel déclare la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plus de 4 siècles après Kepler, l'univers nous fascine toujours par sa splendeur et sa conception. C'est un miroir qui reflète l'art de Dieu et une voix qui parle chaque nuit de son caractère et de son pouvoir. Voyagez avec nous maintenant sur les ailes de certaines des technologies les plus sophistiquées jamais conçues. Et comme nous parcourons des distances inconcevables pour nous remplir les yeux de vues inoubliables, nous sentirons les véritables merveilles de la main du Créateur et les gloires de son cœur.
La taille même et la grandeur de l'univers est un sujet qui nous pousse à l'humilité. Et il se peut que par la beauté extraordinaire que nous révèlent les photographies du télescope Hubble, et par simplement la taille énorme de l'univers, nous en venions à apprécier la majesté et la grandeur de Dieu qui transcende l'univers et est encore plus grand que ce cosmos que nous voyons. Je pense donc que la taille de l'univers témoigne de la grandeur et de la majesté de son Créateur. Avez-vous déjà vraiment pensé à l'énormité de Dieu? La grandeur de sa puissance et de sa taille? C'est un concept difficile à comprendre, car Dieu est esprit. Il n'y a donc rien de physique dans sa stature. Il ne peut pas être mesuré en mètres ou en milles, temps ou espace. Cependant, il serait peut-être possible d'entrevoir ce que nous ne pouvons ni voir ni toucher, en effectuant un voyage imaginaire à travers sa plus grande création. Cet engin spatial nous transportera au bord de l'univers observable, une distance estimée à 434 milliards de milliards de kilomètres. Nous allons voyager à la vitesse de la lumière, plus de 299 millions de kilomètres par seconde. À cette vitesse, nous pourrions faire au moins 600 tours complets autour de la Terre, en moins de temps qu'il n'en faut pour manger un petit bol de pop-corn. Nous partons le 1er janvier. En traversant l'espace, nous atteignons la Lune en moins de 1 seconde 3. Puis, 4 minutes et demie plus tard, nous passons Mars. Nous continuons vers les planètes gazeuses géantes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et seulement 5 heures, 20 minutes après avoir quitté la Terre, nous atteignons la planète naine, Pluton. Maintenant, nous allons ajuster notre trajectoire de vol pour un angle presque perpendiculaire aux orbites planétaires. Derrière nous, les limites de notre quartier cosmique disparaissent rapidement. Nous sommes entrés dans l'espace interstellaire, le grand vide entre notre système solaire et l'étoile la plus proche. Une année passe, puis deux, trois, quatre années. Enfin, le 19 avril de la cinquième année depuis notre départ de la Terre, nous sommes momentanément aveuglés par la lumière du système Alpha Centauri. Trois étoiles liées ensemble par gravité. Elles sont les étoiles les plus proches de notre Soleil. Nous avons parcouru près de 41 000 milliards de kilomètres, mais nous ne faisons que commencer. 10 années-lumière de la Terre, 2 douzaines d'étoiles voisines brillent dans notre sillage. L'une d'entre elles, Tau Ceti, ressemble à notre Soleil. 100 années-lumière. Des nuages de gaz et de poussière dans le bras Orion de la Voie lactée qui nous entoure. 1000 années-lumière. L'élégante forme en spirale de notre galaxie est clairement visible. La Terre est située ici. La Voie lactée fait partie d'une communauté d'au moins 40 galaxies, réunies par gravité pour former ce que l'on appelle le groupe local. Pour le reste de notre voyage, chaque point de lumière que nous voyons n'est plus une étoile individuelle, mais toute une galaxie remplie de milliards d'étoiles. Notre groupe local est adjacent à l'amas de la Vierge, une concentration massive d'environ 2000 galaxies spirales, elliptiques et naines, qui émettent des nuages brûlants de plasma et de poussière.
cette création spectaculaire est le cœur d'une chaîne d'îles cosmiques, une fois façonnée par l'attraction gravitationnelle de 40 000 galaxies différentes. Ils forment collectivement le superamas de la Vierge, l'une des plus grandes structures connues de la science. Mais, à mesure que notre vision s'élargit, cette chaîne se perd rapidement parmi d'innombrables formations de composition et de tailles similaires. La Vierge est une goutte d'eau dans un seau cosmique pouvant contenir jusqu'à 10 millions de superamas, chacun constituant un mince fil dans la construction à grande échelle de l'univers observable. Notre voyage nous a transportés à 45 milliards d'années-lumière de la Terre jusqu'aux limites extérieures de la découverte scientifique. Une toile tentaculaire de filaments filés d'environ 2000 milliards de galaxies et d'étoiles, plus nombreuses que les grains de sable réunis dans tous les déserts et les plages du monde. Ainsi, quelle est la taille de Dieu ? Il est assez grand pour créer un univers dont les dimensions dépassent notre compréhension. Pourtant, dans les paroles du prophète Isaïe, il peut tout mesurer avec les doigts de la main. Les mathématiques ou la physique ne peuvent jamais complètement saisir et englober la magnitude de la puissance et de la taille de Dieu, car il est omnipotent, éternel et infini. Mais si nous explorons le cosmos avec l'esprit ouvert, sans nous limiter aux théories du hasard et de la collision aléatoire d'atomes, nous découvrons une magnifique tapisserie réalisée par un artiste accompli qui a jadis raconté tout cela en existence à partir de rien. Il a ensuite révélé des aperçus de son identité à travers la grandeur et la conception de tout ce qu'il avait fabriqué. Et pour quiconque a déjà regardé dans un ciel dégagé, la preuve de la stature et du caractère de Dieu brille plus fort que la lumière de 1000 étoiles. De nombreux physiciens au fil du temps ont dit que la découverte que l'univers avait un âge fini et un commencement était l'une des découvertes les plus monumentales de toute l'histoire des sciences. Cela a complètement renversé la vision qui dominait la science depuis plus de 2000 ans déjà. Cela était enraciné dans la Genèse chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'un des développements remarquables de la cosmologie du XXe siècle est la confirmation de cette ancienne prédiction juive d'un début de l'univers. Au cours des années 1920, deux des découvertes les plus importantes de l'histoire des sciences ont été faites ici, à l'observatoire du Mont Wilson de Los Angeles. Pendant 8 ans, l'astronome Edwin Hubble a photographié et étudié le cosmos avec le plus grand télescope du monde. En 1923, Hubble confirma que des formations mystérieuses, appelées nébuleuses, étaient largement considérés comme de gigantesques nuages de gaz, d'étoiles et de poussière dans la Voie lactée. Il s'agissait en réalité de galaxies individuelles situées bien au-delà de la nôtre. 5 ans plus tard, il vérifiait que ces galaxies s'éloignaient les unes des autres à des vitesses fantastiques. Notre univers, longtemps pensé être éternel, statique et relativement petit, devenait de plus en plus grand à chaque seconde. Les implications étaient stupéfiantes.
est en expansion constante. Il doit avoir été plus petit et plus compact à un stade précoce de son histoire. Si vous inversez les mouvements des galaxies et revenez en arrière dans le temps, elles se rapprochent de plus en plus, et vous atteignez finalement un point où elles sont presque infinies en densité et en température. Et plus loin que ça, vous ne pouvez pas aller. Donc, il y a un début, un moment dans le temps où tout a commencé. Et c'est une chose remarquable, car cela a une teinte théologique très forte. Et cela m'a intrigué, parce que je suis agnostique. Et s'il y avait un début, un moment de la création de l'univers, alors il y avait un créateur. Et un créateur n'est pas compatible avec l'agnosticisme. Et tout comme je ne peux pas croire qu'il y eut un créateur, je ne peux pas croire que tout cela soit arrivé par hasard. Ce qui implique qu'il y eut un créateur. Alors, voyez-vous, je suis dans une situation désespérée. Et j'y suis encore pour un moment. L'incertitude de Robert Jastrow a été alimentée par de multiples découvertes qui ont mis en évidence un univers créé à partir de rien et régi par des lois de la physique et de la chimie finement calibrées pour assurer une vie complexe. La vie est tellement extraordinaire, la vie particulièrement avancée, la vie intelligente, les êtres conscients sont un phénomène tellement extraordinaire. Encore une fois, qualitativement, j'ai du mal à croire qu'il se soit produit par hasard. Pensez à votre cerveau, par exemple. C'est 7 kilos de matière. Il contient 1 million de 1000 milliards de synapses, je crois. Les circuits s'ouvrent et se ferment tout le temps. C'est tellement plus compliqué que l'intelligence artificielle la plus avancée. Encore une fois, j'ai du mal à croire que tout soit une question d'atomes et de molécules. Et donc, j'essaie d'intégrer dans mon concept du monde la conclusion qu'il existe une force plus importante que vous pouvez appeler Dieu ou toute autre chose, mais je ne peux pas accepter ça. Je suis ce qu'on appelle un matérialiste, en philosophie. Cela ne veut pas dire que j'aime les Cadillacs et les grosses voitures, mes étudiants pensaient toujours cela. Cela signifie que je crois que le monde est entièrement constitué de substances matérielles. Et lorsque vous spécifiez ces substances, les atomes et les molécules, et les lois selon lesquelles elles sont dirigées, vous avez tout fait. Il n'y a rien de plus à dire ou à insérer dans votre modèle de l'univers. C'est ce que ma science me dit. Et vous savez que j'ai été scientifique toute ma vie, mais je trouve cela insatisfaisant. En fait, cela me met mal à l'aise. Je sens qu'il me manque quelque chose. Mais je ne découvrirai pas ce qui me manque de mon vivant. Robert Jastrow est décédé en 2008. En tant que fondateur de l'Institut spatial Goddard de la NASA et directeur de l'Observatoire du Mont Wilson, il a contribué à populariser l'astronomie à travers le monde. Dans son livre à succès, « Dieu et les astronomes », Jastrow décrit le conflit philosophique entre le matérialisme scientifique et la preuve d'un univers qui a commencé. Loin de réfuter l'existence de Dieu, les astronomes pourraient trouver davantage de preuves circonstancielles de l'existence de Dieu. Que l'univers a commencé brusquement, dans un acte de création. Pour le scientifique qui a vécu sa foi dans le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance. Il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Et alors qu'il s'approche du rocher final, il est accueilli par un groupe de théologiens assis là depuis des siècles. Nous avons le privilège d'être sur une planète extrêmement habitable, qui nous permet de vivre confortablement et de disposer de tout ce dont nous avons besoin pour la science et pour en apprendre davantage. Et pour en savoir plus sur nos origines et pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Bien sûr, quelqu'un pourrait toujours dire que c'est sa seule chance. Eh bien, c'est leur philosophie et ils peuvent toujours s'en remettre à ça s'ils veulent, mais ce n'est pas satisfaisant pour moi. Look at the sky!
Cela a commencé avec une expérience que j'ai vécue en 1995. Je suis allé observer une éclipse totale du soleil en Inde. C'était ma première éclipse totale du soleil. C'était un événement spectaculaire. C'est une expérience qui te fait ressentir toutes les émotions. Astronomes qui peuvent comprendre tout le phénomène, qui peuvent le prédire en une fraction de seconde n'importe où sur la Terre, ou un indigène local tout aussi impressionné et réagissant de la même manière à cet incroyable phénomène. Cela m'a vraiment marqué. Pendant 51 secondes inoubliables, Guillermo González et des milliers d'autres ont été émerveillés par cet événement astronomique rare. González réfléchira plus tard à la fois à la beauté mystérieuse dont il a été témoin dans le ciel du nord de l'Inde et aux facteurs qui l'ont rendu possible. Les exigences pour produire une éclipse totale du Soleil sont un corps lumineux, dans notre cas le Soleil, un corps éclipsant, dans notre cas la Lune, et une plateforme d'observation, dans notre cas la surface de la Terre. Et ils doivent tous être en ligne droite. La taille apparente de la Lune dans le ciel doit être presque exactement la même que la taille apparente du Soleil. Ils ont tous deux environ un demi-degré. Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, mais il est 400 fois plus éloigné. Il y a cette coïncidence que les gens remarquent depuis des siècles, mais ils disent « c'est une coïncidence » en haussant les épaules. Le meilleur endroit dans tout le système solaire pour observer les éclipses solaires est à la surface de la Terre. J'ai en fait calculé les circonstances pour les éclipses de toutes les autres planètes et de toutes les autres lunes, environ 65 d'entre elles, les lunes majeures. Et c'est une coïncidence incroyable. Le seul endroit qui a des observateurs est celui qui a les meilleures éclipses. En examinant cet alignement rare entre le Soleil, la Lune et la Terre, González a reconnu l'importance de ces corps célestes pour l'existence d'une vie complexe sur notre planète. L'attraction gravitationnelle exercée par notre Lune, par exemple, est suffisamment puissante pour réguler le climat de la Terre en stabilisant son inclinaison et en permettant la circulation des eaux chaudes et froides de ses océans. Tandis que la distance entre notre planète et le Soleil permet à la fois d'obtenir de l'eau liquide et une atmosphère riche en oxygène. Il faut avoir la bonne distance entre la planète d'origine de l'observateur et son étoile hôte, et il faut avoir une grande lune. Il existe donc un très fort chevauchement entre les impératifs de la production d'éclipses et de l'habitabilité, le fait d'avoir une planète capable de supporter la vie. Et si ce qui rend une planète habitable est aussi ce qui en fait le meilleur endroit pour faire des découvertes scientifiques ? La nature de notre planète, la nature de son atmosphère, sa localisation dans le système solaire, le type de système solaire dans lequel elle se trouve, même le type d'étoile et son emplacement dans la galaxie sont optimaux pour la réalisation de découvertes scientifiques. Il s'avère que ce sont également toutes les conditions les plus importantes pour une planète habitable, c'est-à-dire pour une planète propice à des êtres comme nous et sans laquelle nous ne pourrions pas survivre. Je pense que c'est le type de modèle qui devrait suggérer aux gens un complot plutôt qu'une simple coïncidence. À l'éclat d'une éclipse solaire, González et Richards ont reconnu un lien fascinant entre les facteurs nécessaires à une vie complexe et l'observation scientifique. On nous a souvent dit, particulièrement au XXe siècle, que l'univers ne nous avait pas en tête. C'est-à-dire que nous existons dans un très grand univers et que celui-ci n'a pas été conçu pour des êtres comme nous. Nous sommes simplement la vie qui s'est produite sur une toute petite planète entourant une étoile minuscule et insignifiante dans une galaxie parallèle, dans un très grand univers non prévu. Notre argument suggère quelque chose de complètement différent. Il suggère que l'univers était destiné, que l'univers existe dans un but précis, et ce but n'est pas simplement d'exister pour des êtres comme nous, mais pour nous de nous étendre au-delà de notre petite maison paroissiale, pour voir l'univers au sens large. Découvrir l'univers, et peut-être même de se demander si cet univers pointe au-delà de lui-même. Il y a quelque chose dans l'univers qui ne peut pas être expliqué simplement par les forces impersonnelles de la nature et les atomes qui entrent en collision avec les atomes. Et ainsi, il faut rechercher quelque chose au-delà de l'univers pour essayer de l'expliquer. Pourquoi l'univers serait-il tel que les endroits les plus habitables
offre également la meilleure opportunité de découverte scientifique. Nous avions toute la mosaïque du système solaire grâce aux photos que nous avions prises depuis Voyager sur un mur de l'auditorium, ici. Et il y avait une sorte de corde de velours juste devant, mais les gens voulaient à chaque fois passer par-dessus afin de toucher la Terre. Ils la pointaient du doigt et lançaient des « Nous sommes ici, tu es là, c'est là où nous sommes » et ils la touchaient. Et je ne pense pas que le nombre de panneaux ne touchait pas, leur importait, les gens voulait invariablement tendre la main et toucher la Terre. En conséquence, vous savez, je ne sais pas combien de fois ils ont remplacé cette photo, mais elle finissait à chaque fois avec un trou au milieu, et cette photo en particulier devait être remplacée. En décembre 1980, le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA a achevé son exploration historique de Jupiter et de Saturne. Selon chaque indicateur, cette mission a connu un succès spectaculaire. Pendant plus de 20 mois, la sonde sans pilote a sondé et photographié les deux plus grandes planètes et leur lune, révélant une mine d'informations sur ces mondes mystérieux. Dix ans plus tard, alors que Voyager s'apprêtait à quitter le système solaire, l'astronome et le spécialiste de la mission, Carl Sagan, a demandé une dernière série de photographies incluant la planète Terre. C'était l'idée de Carl Sagan, et il voulait donner au public une photo de l'isolement de la minuscule planète Terre. Nous avons donc finalement conçu ce que nous appelons une séquence qui consiste en une série de commandes de caméra. Et nous avons orienté la plateforme de balayage de la navette spatiale d'une planète à l'autre. Nous avions également quelques photos des étoiles en arrière-plan. Le 14 février 1990, les caméras de surveillance large et étroite de Voyager ont capturé cette mosaïque du système solaire. L'un des cadrages était une vue de la Terre engloutie par un rayon de soleil. Notre planète à 6 milliards de kilomètres. Ce n'est qu'un tout petit pixel lumineux. Vous ne pouvez pas vraiment distinguer les continents ou les océans. Notre maison paraît si loin. Le point bleu pâle a capturé l'imagination du monde. Et en 1994, Carl Sagan a partagé ses réactions à cette photo lors d'une conférence à l'Université Cornell. Nous vivons sur la planète insignifiante d'une étoile de masse, perdue dans une galaxie, nichée dans un coin oublié d'un univers dans lequel il y a beaucoup plus de galaxies que d'hommes. Mais considérons à nouveau ce point lumineux. C'est ici. C'est notre maison. C'est nous. Dessus, il y a tout le monde que vous connaissez. Tout le monde dont vous avez entendu parler. Chaque être humain, quel qu'il soit, y a vécu sa vie. L'ensemble de nos joies et de nos souffrances. Chaque héros et chaque lâche. Chaque paysan et chaque roi. Tous les jeunes couples amoureux. Chaque père et chaque mère, tous les enfants pleins d'espoir, tous les inventeurs et explorateurs, tous les professeurs de morale, toutes les superstars, tous les chefs suprêmes, chaque saint et pécheur de l'histoire de notre espèce, y vivait sur une poussière suspendue dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Nos postures, notre importance imaginaire, l'illusion que nous occupons une position privilégiée dans l'univers, sont mis au défi par ce point de lumière pâle.
Notre planète est un point isolé dans la grande obscurité enveloppante et cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucune indication que de l'aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. Pour paraphraser, Sagan dit que cela nous montre notre insignifiance cosmique. Nous n'étions pas prévus, nous n'avons pas été conçus, personne ne pense à notre bien-être, nous sommes seuls. Ok, alors prenez cette photo d'isolement et de solitude et opposez-la à l'image biblique de la création. Dans cette image théiste, le contraste est que nous avons été créés, nous étions destinés, nous étions prévus. Nous ne sommes pas seuls. Ces deux images de la réalité vous mèneront dans des directions très différentes. 3000 ans avant que Carl Sagan ne s'interroge sur la signification des planètes et des peuples, David, le roi berger d'Israël, se plongea dans le ciel nocturne et y trouva sa propre réponse. Elles sont enregistrées dans les psaumes de l'Ancien Testament. Ô Seigneur, ta gloire est plus haute que les cieux. Quand je regarde le ciel nocturne et que je vois le travail de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qui sont ces simples mortels auxquels tu devrais penser, les êtres humains dont tu devrais prendre soin? Pourtant, tu les as faits seulement un peu plus bas que les anges et tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Tu as examiné mon cœur et sais tout de moi. Tu sais quand je m'assieds ou quand je me lève. Tu connais mes pensées même quand je suis loin. Tu sais ce que je vais dire avant même que je le dise. Tu marches devant moi et tu me suis. Tu poses ta main de bénédiction sur ma tête. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, trop grande pour que je puisse la comprendre. Tu as créé mon être le plus profond. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as regardé alors que j'étais en pleine formation, alors que j'étais tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu mon corps non formé. Tous les jours prévus pour moi ont été écrits dans ton livre. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David est donc ouvert dans son cœur, car au fond de lui, il a la bonne réaction, qui est « je suis un être créé ». Je suis le produit d'un esprit qui m'a construit, moi ainsi que tout le reste. Et malgré le fait qu'il a construit tout ce qui est si grand et tellement plus vaste que moi, il se soucie de moi. Il se soucie de moi. Je pense que la perception de Carl Sagan est tellement différente, parce que dans l'univers de Carl Sagan, en un sens, Dieu est parti. Et si l'acteur principal pour David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a quitté la scène, qui en est responsable? Qui l'a construit? Qui a tout construit? Et si ce n'est pas un esprit, si ce n'est pas un intellect, si ce n'est pas une personne, un être suprêmement puissant avec lequel nous pouvons avoir une relation, alors il ne reste que la physique. La physique se doit de diriger le spectacle. Et nous devenons, au lieu de la créature voulue et conçue d'un grand créateur, nous devenons le résultat chanceux d'une longue série d'accidents cosmiques. Et c'est un endroit très solitaire où être. Alors, que devons-nous faire du point bleu pâle et des passagers qui l'appellent la maison ? Sommes-nous à la dérive sur un grain de poussière désespérément perdu dans un univers sombre et froid? Ou est-ce que l'atmosphère riche en oxygène de notre planète et l'abondance d'eau liquide, son climat tempéré et son emplacement idéal dans le système solaire, son champ magnétique
sa géographie et des dizaines d'autres facteurs rendent la vie possible et sont les produits magnifiques d'une intelligence, d'un but et d'un plan. Et si le monde était conçu comme un sanctuaire pour les êtres humains, alors est-il possible que nous existions pour une raison au-delà de la simple survie ? Peut-être que notre destinée est unique dans l'univers et que, comme David, nous pouvons vivre nos journées sur le point bleu pâle dans le but ultime que nous avons tous. Connaître Dieu et l'apprécier à jamais. Dieu, en tant que créateur, a cet éventail infini de manière possible de communiquer avec nous. L'un d'eux pourrait être « Il descend ici et nous saisit par les épaules et nous dit « Réveille-toi, tu as un problème. » Mais Dieu est beaucoup plus subtil que cela. Et en particulier, il ne plie pas notre volonté à la sienne. D'une manière vraiment mystérieuse et difficile à comprendre, il pose les choses devant nous et dit « Maintenant, à vous de répondre. » Donc, probablement, pour moi, le moyen le plus efficace dont Dieu dispose pour communiquer avec moi, en plus de la Bible, est le monde qu'il a créé et la beauté du monde qu'il a créé. Je pense que Dieu a fait ce qu'il a pu pour communiquer avec nous par le biais de sa dimension artistique. Ils font partie des 7 plus grandes merveilles naturelles du monde. Des spectacles époustouflants de performances artistiques, autrefois célébrés dans les peintures rupestres préhistoriques, la mythologie viking et les jeux de Shakespeare. En 1619, Galilée les nomma les aurores, d'après la déesse romaine de l'aube. Aujourd'hui, nous les appelons aussi les lumières du nord et du sud. Dans la lueur éthérée de ce feu céleste, la beauté, le mystère et l'émerveillement, si évidents dans tout l'univers, illuminent les cieux polaires, de l'Islande à l'Antarctique. Cela vous laisse perplexe, vous êtes curieux à ce sujet, c'est beau, c'est subtil, c'est intéressant. Toutes ces choses sont en mouvement. Waouh ! Et puis, ce « wow » amène un « pourquoi ?» N'est-ce pas ? Pourquoi est-ce cela ? Qu'est-ce que ça fait là ? Quelles en sont les causes ? Toutes les aurores de notre système solaire proviennent d'ici, de la surface turbulente d'une étoile de la séquence principale G2. À 150 millions de kilomètres de la Terre. De temps à autre, des vagues d'énergie générées au plus profond du cœur du Soleil déclenchent de violentes tempêtes, pouvant éjecter des milliards de tonnes de plasma très chargés. Une grande partie de cela se dirige vers la Terre sur une trajectoire de collision. Nous sommes tout le temps baignés par les radiations de notre grand voisin très chaud. Et nous sommes en partie constitués de molécules délicates, comme l'ADN, qui n'aiment pas le rayonnement ionisant qui l'élimine. Si on le laisse faire, ce vent solaire pourrait rapidement détruire notre atmosphère, faire bouillir les océans et dévaster toute forme de vie. Heureusement, nous sommes protégés de ces catastrophes par une disposition remarquable. Sous la croûte et le manteau de notre planète, une couche de fer, de nickel et de soufre fondu, d'une épaisseur de 2400 km, coule en continu autour d'un noyau de fer solide. Ce mouvement produit un champ magnétique qui émane du noyau de la Terre à travers ses pôles, puis à des milliers de kilomètres dans l'espace. Lorsque le plasma frappe le bouclier, la plupart des particules mortelles sont déviées avant d'atteindre la surface de la Terre.
Mais certains sont attirés par les lignes de champs magnétiques et canalisés directement vers les pôles nord et sud. Environ 99% de notre atmosphère est constituée d'atomes d'azote et d'oxygène. Ces composants sont électriquement neutres. Le plasma instantané entre en collision avec un atome. Un électron absorbe l'énergie et élargit momentanément son orbite autour du noyau. Cette particule superchargée revient ensuite à sa position et à sa taille normale en libérant un seul photon, une petite onde de lumière colorée. Le processus se répète dans le ciel nocturne. En fonction de leur altitude, les atomes d'oxygène libèrent des photons verts et rougeâtres, l'azote, le bleu profond et les nuances de violet. Cette multitude de réactions atomiques génère de vastes rideaux lumineux pouvant s'étendre jusqu'à 400 km dans l'espace. Parfois, ils forment des anneaux spectaculaires qui couronnent les pôles magnétiques. Alors qu'ils orbitaient autour de la Terre dans la Station spatiale internationale, les astronautes ont photographié les aurores et révélé leur mystérieuse splendeur jamais observée jusqu'à maintenant. Cette beauté nous parle avec éloquence sans dire un mot. Je pense que l'aurore elle-même est une belle bannière brillante qui scintille. C'est un message qui dit « Cette planète n'est pas un accident, et le fait que vous soyez dessus n'est pas un accident. Dieu nous a donné un monde qui, si nous lui donnons la moindre chance, lui témoigne de manière fiable. Et ce témoignage, cette voix qui nous vient de la nature, ne fait que devenir plus fort et plus beau, plus vous en savez. » La sagesse infinie de Dieu est vraiment infinie et il a créé un monde qui a tant de détails intéressants. Émerveillement, majesté, beauté, fonction biologique, intégrité planétaire, le rôle de la planète dans le maintien de la vie. Vous rassemblez chacun des morceaux du puzzle, vous suivez ce mystère d'indice à indice et je pense que ce qui se passe, certainement dans mon cas, est que vous réalisez que la Terre n'est pas juste un lieu où la vie pourrait s'épanouir, elle a été conçue pour être un lieu où la vie pourrait s'épanouir. Cette planète a été construite pour être habitée. Cette convergence de conception fonctionnelle et de beauté extraordinaire, si évidente dans le champ magnétique terrestre, est également un moyen que Dieu utilise pour communiquer à travers toutes les facettes de la création. D'abord, il capte notre attention avec un art à couper le souffle. Car le monde de la nature est une galerie remplie d'innombrables chefs-d'œuvre, chacun débordant de signification et de révélation. Alors, si nous cherchons diligemment à comprendre le comment et le pourquoi du cosmos, nous nous retrouvons face à face avec son Créateur. L'éternel artiste et ingénieur qui a conçu les merveilles physiques qui soulève nos yeux, inspire nos cœurs et assure notre survie sur la troisième planète à partir du Soleil. C'est élégant, c'est époustouflant, c'est plus beau que nous ne pouvons l'imaginer. La conception fait plus de sens pour moi car elle explique les motifs que nous voyons dans l'univers et cela explique l'origine de la vie comme étant due à une intelligence qui crée une telle beauté et complexité que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Je pense que plus nous en apprendrons, plus les choses seront complexes. Mais en même temps, je pense que nous trouverons des principes sous-jacents qui éclaireront sur l'esprit du concepteur. Et puis, plus nous en apprenons, eh bien, plus cela devient incroyable.
Voici une question qui pourrait littéralement vous empêcher de dormir. Combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers ? Par une nuit claire dans le désert, sans télescope, nous pouvons voir environ 5000 étoiles individuelles. Toutes sont situées dans la Voie lactée, une galaxie spirale assez typique, avec une population stellaire entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et la Voie lactée n'est qu'un point dans l'univers observable, où les estimations vont de 100 milliards à peut-être jusqu'à 2000 milliards de galaxies au total. Maintenant, faisons le calcul. Selon des estimations prudentes, nous multiplions 100 milliards de galaxies fois 10 milliards d'étoiles par galaxie. Le produit est 1 milliard de milliards d'étoiles. Et rappelez-vous, c'est une estimation bas de gamme. Pour apprécier un nombre aussi important, il faut un certain contexte. Alors essayons ceci. Il y a environ 135 000 grains dans 1 cm cube de sable. Et environ 235 millions dans 30 cm cubes. Alors que les mesures exactes sont presque impossibles à déterminer, les géographes estiment qu'il y a environ 354 000 km de côte et 26 millions de kilomètres carrés de désert de sable à la surface de notre planète. À l'aide d'estimations comme celle-ci, des chercheurs de l'Université d'Hawaï ont calculé que, dans tous les déserts et toutes les plages du monde, il existe environ 7,5 fois, 10 fois la puissance 18, soit plus de 7 milliards de grains de sable individuels. Encore une fois, une estimation comme celle-ci est une déduction logique pour tenir compte de la difficulté de compter le sable. Multiplions par 10 le calcul hawaïen. Cela peut vous permettre de construire beaucoup de châteaux de sable. Mais ce n'est qu'une fraction du nombre total d'étoiles. Parce que lorsque nous comparons les estimations du sable total aux étoiles totales, les étoiles dépassent le nombre de grains de sable d'au moins 10 pour 1. Mais cela peut ne pas être la partie la plus étonnante de cette histoire. Vous voyez, un seul grain de sable, 4 centièmes de centimètre de diamètre, contient environ 500 milliards de milliards d'atomes individuels. C'est plus d'atomes dans un grain que de grains de sable sur la Terre. Ou d'étoiles dans 1 milliard de galaxies de la taille de la Voie lactée. D'accord. Avant d'éteindre nos calculatrices, voici une dernière dose de gros chiffres. Dans une seule goutte d'eau, il y a environ 1,7 milliard de milliards de molécules H2O individuelles. Cela signifie que, en quelques grosses gouttes, le nombre total de molécules pourrait dépasser le nombre total d'étoiles dans l'univers tout entier. Alors, que retenons-nous de ces excursions mathématiques dans la structure de base de la création ? Bon, pour commencer, nous vivons sur une planète qui fait partie d'un cosmos incroyablement vaste et complexe. Et cette planète est remplie d'innombrables univers atomiques et moléculaires incroyablement petits. Et souvent même plus complexes. Et chacun de ces domaines physiques, gigantesques ou microscopiques, est maintenu ensemble à chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour, par le Dieu qui a tout créé. Rappelez-vous que la prochaine fois que vous rechercherez des scarabées dans le désert du Sahara, ou que vous camperez en Amérique du Sud sous la lueur époustouflante de la Voie lactée,
ou simplement que vous vous détendrez dans votre jardin en regardant votre chien mouillé lancer 10 000 univers liquides un après-midi d'été. Quand ma fille de 6 ans regarde les étoiles, elle me dit « C'est tellement évident que Dieu existe. Comment quelqu'un pourrait-il remettre ça en question? Comment pourrait-on penser autrement? Il s'agit d'une évidence intuitive que Dieu a clairement fait cela. Nous sommes conçus pour que nous voyions Dieu à travers l'ordre créé, car c'est un livre. Nous sommes censés le lire. Il nous renvoie au-delà de ses pages. Il a choisi de créer l'univers comme cette toile de fond qui est constamment et continuellement, à tout moment et à tout endroit, jour après jour, nuit après nuit, témoin de son existence. C'est l'idée de la révélation générale de Dieu. C'est général, c'est continu. La création de Dieu est active. Elle déclare la gloire de Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les cieux proclament le travail de ses mains. Jour après jour, ils répandent la parole. Nuit après nuit, ils révèlent des connaissances. Ils n'utilisent pas de mots. On n'entend pas un son d'eux. Pourtant, leur voix se répand sur toute la terre. Leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Lève tes yeux et regarde le ciel. Qui a créé tout cela? Celui qui a fait sortir les étoiles une par une. Il détermine le nombre d'étoiles et les appelle chacune par leur nom. Notre Seigneur est grand et puissant. Son intelligence est infinie. Le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main reposent les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche. Toutes les nations ne sont qu'une goutte dans un seau. Elles ne sont rien d'autre que de la poussière sur la balance. Il ramasse la terre comme s'il s'agissait d'un grain de sable. Et ce n'est là que le commencement de tout ce qu'il fait. Il ne fait que murmurer son pouvoir.
Venez voir les œuvres de Dieu, qui est impressionnant par ses actes. Il étend le ciel du nord sur un espace vide. Il suspend la terre dans le vide. Il marque l'horizon sur la surface des eaux pour créer une frontière entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui vivent au bout du monde admirent tes merveilles. De l'endroit où le soleil se lève jusqu'à l'endroit où il se couche, tu inspires des cris de joie. Je vais réveiller l'aurore avec ma chanson. Je chanterai tes louanges parmi les nations. Car ton amour infaillible est à la hauteur des cieux. Ta fidélité atteint les nuages. Sois exalté, mon Dieu, que ta gloire brille sur toute la terre.